plaisir pour moi de vous retrouver pour une autre émission de mon mariage de A à Z. Alors, dans l'émission précédente, nous avons parlé de la lettre P qui nous parlait du photographe. Aujourd'hui, nous parlons de la lettre Q. Et oui, nous parlons aujourd'hui de la lettre Q qui nous parle de quelle robe. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous se posent la question à savoir de quoi est-ce qu'elle parle. Alors, je vous laisse deviner un instant. Tic, tac, tic, tac. Bon, ok. La lettre Q nous parle aujourd'hui de quelle robe avec bien sûr un point d'interrogation. Mesdames, aujourd'hui vous êtes à l'honneur parce que nous allons parler de la robe de mariée. Et nous recevons Neftali Wedding. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Mireille Zungrana, conseillère clientèle chez Neftali Wedding. Okay. Neftali Wedding est une boutique de robes de mariage qui confectionne des tenues sur mesure de mariage et de cérémonie. Okay. Il y a également quelques accessoires tels que les bijoux, les chaussures et le bouquet, et bien d'autres. D'accord. Alors, quelle est l'histoire autour de la robe de mariée et du bouquet? La robe de mariée est un vêtement traditionnel que porte la mariée le jour de son mariage. Il est accompagné régulièrement de quelques accessoires tels que les gants, qu'ils soient longs ou courts, du chapeau et du voile. Il y a le bouquet qui vient compléter la tenue ainsi de pureté et contribue à rendre la mariée belle et porteuse de valeurs symboliques. Le port de la tenue est une coutume qui a été influencée par la culture de l'Église catholique romaine occidentale. Okay. Dans certains pays d'Arabes, tels que le Maghreb, la tradition veut que la mariée change de tenue tout au long de ses noces qui peuvent aller jusqu'à plusieurs jours. Alors, pourquoi une robe blanche? C'est historique. La robe blanche parce que cela remonte au 19e siècle lorsque la reine Victoria lance la tendance du mariage en blanc, qui a été aussitôt adoptée par Hollywood et quelques mariées royales. Et du coup, c'est devenu la tendance du jour J. Ok, je suis sûre que beaucoup portaient la robe blanche sans même savoir la signification. Oui. Voilà, je vais me marier, tout le monde porte une robe blanche et hop, moi aussi je porte une robe blanche sans même savoir. Alors aujourd'hui, vous savez d'où vient la tendance? Tout à fait. Je vais également ajouter que dans certains pays comme la Chine, la robe blanche n'est pas une norme. Et le rouge est synonyme de prospérité et de chance. Et malgré cela, on constate que certaines mariées se changent et enfilent des robes blanches pour paraître sur les photos officielles de mariage. À défaut de la robe blanche, certaines mariées optent pour la robe pastel qui de plus en plus aussi gagne du terrain. Ok. Alors, on a remarqué aussi que, en plus de la robe blanche, beaucoup ont commencé à ajouter d'autres tenues. Et notamment au niveau de la réception, les mariés rentrent avec d'autres tenues traditionnelles. La tenue traditionnelle est en train de prendre, elle est tendance actuellement. Tout à fait. D'autres mariés, par conséquent, choisissent de se marier en traditionnel et cela en signe d'appartenance à leur ethnie. Alors, trois conseils que vous donneriez à une future mariée dans le choix de sa robe et ses accessoires? Premièrement, c'est déjà de prendre attache avec la boutique Neftali Wedding pour des conseils personnalisés. Deuxièmement, c'est de choisir soigneusement ses accompagnateurs dans le choix de sa robe pour éviter une confusion à la fin. Le troisième conseil, c'est de choisir une robe propre à son type de morphologie. Justement, pouvez-vous nous entretenir davantage sur les types de morphologie et ses conséquences sur le choix? Il y a plusieurs types de morphologie. Sans pour autant entrer dans les détails, je ne vais citer que trois. Il y a la morphologie en 8. C'est-à-dire? Encore appelée forme guitare. Okay. Cela signifie que pour l'intéressé, les épaules et les hanches correspondent. Et pour ce type de morphologie, ils sont habilités à porter tout type de vêtements. Sirène comme princesse. Sirène comme princesse, comme trapèze. Tout type de vêtements. Il y a également les morphologies en H, où pour l'intéressé, les hanches ne sont pas trop développées. Et pour ce type de morphologie, nous conseillons la robe princesse. Ok. Donc, impossible de porter une robe sirène ou trapèze. Si, tout à fait. Au-delà de cela, c'est la personne qui choisit. Nous ne faisons que conseiller et orienter. En fonction de la morphologie. En fonction de la morphologie. Mais le dernier choix revient à l'intéressé. Et enfin, il y a la morphologie en haut, où les formes et les rondeurs sont concentrées.
Et pour ce type de morphologie, nous conseillons la robe trapèze en toute fluidité. Ok, d'accord. Quelle est la tendance cette année? La tendance de robe cette année est la robe sirène, dentelle, perlée et bien scintillante. Waouh! Avec une traîne détachable, courte ou longue, en fonction du besoin recherché par la cliente. D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler des types de matières utilisées pour les robes des mariées? Le plus souvent, les matières utilisées sont la dentelle, bien évidemment, le tulle, l'organza, la mousseline de soie, le satin. Cela dépend de l'effet voulu par la mariée. D'accord. Ok. Et je précise que chez Neftali Wedding, nous utilisons de la matière de qualité. Bien évidemment. Alors, quelle est la particularité de la boutique Neftali Wedding? Tout d'abord, c'est l'amour du métier. Nous sommes une équipe. C'est très important. Nous sommes une équipe de 5 personnes qui aimons passionnément notre travail et qui aimons également être en contact avec la clientèle. Et ensuite, nous offrons de la créativité. Nous confectionnons des robes de mariée sur mesure et uniques en leur genre. Quel est le délai de confection? Le délai de confection va généralement de 1 à 3 mois et en fonction de la complexité de la robe. Mais nous recommandons aux mariés et nous les conseillons de commencer à penser à leur robe 6 mois en avance et de prendre le soin de commander 3 mois en avance pour nous laisser une marge de manœuvre et éviter le stress de dernière minute. Alors, pour une mariée qui et vient à la dernière minute, genre à moins d'un mois de son mariage, est-ce que il n'y a pas d'exception à votre niveau? Si, nous, Neftali Wedding fait l'exception pour ce type de mariée de dernière minute et nous prenons quand même le soin de leur confectionner la robe de leur rêve. D'accord. Alors, quel est le mot de fin? Déjà, nous tenons à vous remercier pour l'occasion que vous nous faites d'être présente ici et nous permet de vous présenter notre travail et par l'occasion notre boutique Neftali Wedding. Et aux futurs mariés, nous leur disons que nous sommes là pour les accompagner et nous leur donnons l'assurance de notre disponibilité. Et pour tout besoin, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter ou à nous suivre sur notre page Facebook NWG Neftali Wedding Galerie. Ou nous appeler simplement par téléphone au 57 04 77 57. Ok, vous êtes situé où? Nous sommes situés à la ZAD, non loin de HUTEC ZAD. D'accord. C'est tout pour ce qui en était de la lettre Q, la robe de mariée. Nous rappelons qu'elle a une suite et elle sera dans l'émission suivante. Au revoir et à très bientôt.